Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bus Simulator 16. Donc aujourd'hui on va refaire le trajet numéro 2 parce qu'on avait fait moins 1117 €. Donc ce n'est pas beaucoup. Alors donc on va faire service. Pour se déplacer c'est comme ça. Alors est-ce qu'on peut prendre... Non, pas démarrer, pas se faire de cheesecake. C'est quoi ça? C'est quoi ce bouton? Non. Bon, on va juste prendre le café. Et on va pouvoir aller prendre notre bus. Sauf que c'est pas comme, comme vous le matin. On va pas prendre le bus normalement, nous. On va le prendre un peu dans l'autre sens. C'est nous qui sommes dans le bus avant vous. Enfin, c'est nous les conducteurs du bus plutôt. Alors, on ouvre les portes. On va rentrer. Alors, on ferme les portes. On démarre le moteur. Voilà. Alors, les phares. Après, on allume tout ce qui est lumière interne. On monte le chauffage. Tiens, on va mettre très chaud. Non, pas la radio. Tiens, regardons les radios. Ouais. Bof. Hop, on peut éteindre la radio. Non, je vais pas éteindre le bus. Alors. Est-ce que je peux avancer là? Non, le bus est éteint. Alors. Est-ce qu'il veut pas avancer? Ah, c'est bizarre ça. Ah, voilà. Donc, on va aller par ici. On va pouvoir commencer notre parcours. Donc, on commence déjà par se placer au milieu de la route. Tiens, des personnes en fauteuil roulant. J'espère qu'ils vont pas venir nous embêter. On pourrait pas directement aller à droite. Où est-ce qu'il est l'arrêt? Ah mais c'est peut-être dans l'autre sens. Hop. Donc de toute façon on va tout droit. On fait l'itinéraire qu'on a créé. Oh elle est malade. Elle est malade cette voiture. En fait, ils sont vraiment malades ces conducteurs. Oh, attendez madame, hein, faudrait. Vous êtes pas toute seule sur le sur la route. Bon, ici c'est 30. Ah, je crois reconnaître le 30. Non, même le régulateur de vitesse, il veut pas. Bon. Bon, je pense qu'on va rester à 50 km/h hein, parce qu'on n'est pas... C'est un peu compliqué de d'aller à la vitesse voulue. Je regarderai pour configurer le régulateur de vitesse.
Alors, donc on va aller tout droit, on va y tourner à gauche deux fois. C'est beaucoup quand même. Alors, enfin, je sais pas, on dirait que le bus il est en train de partir. On l'entend se casser, toutes les pièces se démonter, les vis partir. Ah bah c'est cool, il n'y a personne qui veut passer. Hop, on peut y aller. J'ai eu chaud avec le piéton. Hein. Alors. Donc, l'arrêt juste après. J'aimerais bien voir si je peux aller au-dessus de 70 km/h. Non, je suis limité à 50. Hop, donc, on va pouvoir s'arrêter au prochain arrêt. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Bah, apparemment, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je suis un peu trop loin. Voilà. Donc, alors, un normal hebdomadaire, 33 €, 40, donc, 2, 4, 6, 7. Alors, c'est bon? Il n'y a plus personne? Ah, il faut quitter le... de contrôle. Alors, c'est tout droit. Alors... Alors ici, c'est limité à 70, mais vu qu'on peut pas aller plus vite que 70 km/h, bon, on va faire avec. Donc, on va... Tiens. Ils annoncent déjà le prochain arrêt. On n'y est même pas. Et encore, avoir un bus qui annonce les arrêts, c'est déjà bien. Nous, on nous les annonce même pas. Je pense que personne ne les a annoncés dans n'importe quel bus. Alors. C'est bien parce que vu que autour de moi, j'ai toutes les informations de mon PC. Hop. J'ai la température, l'enregistrement audio... mes cartes graphiques, j'ai tout. C'est pour ça que j'ai le logiciel en petite fenêtre. C'est parce que j'ai pas la place de tout mettre vraiment. Alors on va pouvoir avancer. On continue. Tout droit. Alors on tourne à droite au feu. Ah, si on regarde en détail, les graphismes sont vraiment pas mal. Encore, je suis même pas en ultra. Parce que mon PC a un peu de mal à gérer l'ultra. C'est un peu normal aussi. Hein. J'ai pas de i7 comme tout le monde. Je ne peux pas encore m'en acheter. Mais quand je pourrai, je pense que le jeu sera en ultra. Ainsi que tous les autres... Ah ! Feu rouge grillé. Depuis quand? Alors. On va pouvoir y aller. Ce serait juste bien qu'elle arrête d'accélérer cette voiture. Bon. Le prochain arrêt est juste devant nous. On doit être au prochain arrêt dans 50 secondes. Même si on y arrivera avant. Largement avant, je pense. Bon. Mauvaise position d'arrêt, c'est ça. Allez, venez. Alors, un hebdomadaire. Senior. 26 €. Alors déjà, on lui rend 4, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 16, c'est bon?
Ça suffit pas. Ah voilà. Un normal, elle est simple. Alors. Mince. Hop. C'est bon. On peut y aller. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quitter. On peut y aller. Bon, c'est embêtant que le clignotant ne s'arrête pas tout seul. À chaque fois, je l'oublie. Il tourne tout le temps. Ah bah tiens, on va mettre la musique. Mince. Mettre le frein. Elle veut pas se lancer la musique. Ah oui. Et en plus, le feu est vert. Alors, on va essayer de pas rentrer dans les autres. Ah, voilà. Ouais, c'est la musique, je crois, qui est un peu bizarre. Ça va être la musique composée par le jeu. Alors, prochain arrêt. Tiens, il y a plus de monde, on dirait. 1, 2, 3. Ah non, non, il y a beaucoup moins de monde en plus. Alors. Alors, 2, 3. 4,20€. Alors donc 60 centimes. Non. Ah ouais, j'ai donné 10 centimes de trop. C'est bon. Il y a plus personne. Hop, on quitte ça. On peut y aller. Alors. Ah. Pourquoi est-ce que je monte tout le temps sur le trottoir? C'est pas possible ça. Ah, déjà le terminus. C'est que c'est rapide. Oula. C'est qui a la queue? Ah, c'est parce qu'il y a un magasin devant. Je pense que ça vient de là. Allez hop, on ouvre les portes. On peut y aller. Est-ce que j'ai mis mon clignotant? Ouais, c'est bon. Voilà. Il y avait personne qui traversait. Faut toujours vérifier que quelqu'un traverse. Enfin, si quelqu'un traverse. Hop. Donc, on met le frein. Voilà. Non. Alors, bah voilà. On a fini. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? 4525. Oh, c'est pas mal. Alors. Ah, c'est. You have to establish a bus line network in both the suburban and residential districts to keep the public satisfied. Alors donc, j'ai pas lu ce qu'il disait parce que je pouvais pas vraiment comprendre. Ah, donc on peut faire de nouveaux services. Alors est-ce que je peux acheter des bus? Acheter. Alors j'ai 200 000. Moi j'ai quoi? J'ai le BR4. Ah, il y a moins de place dans celui-là. Dans celui que je prends. Ah, c'est embêtant. Pourquoi est-ce que je peux pas le déverrouiller? Ah, faut être niveau 7. Ah, c'est embêtant. Sachant que je crois qu'il me semble que Galax a celui-ci. Qui est très grand. Mais bon, je peux pas encore l'acheter.
Bah on va... Je pense que à la prochaine vidéo on fera une ou deux livraisons. On arrivera au niveau 7 et on pourra se l'acheter. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo avec tous vos amis, à vous abonner surtout. Créez même deux comptes pour vous abonner, c'est très important. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos.